Hey, salut, on se retrouve pour du ETS. Allez, c'est parti. Alors, je suis pas dans mon camion parce que je suis en mission rapide. C'est un petit peu hors sujet aujourd'hui. Je suis à Paris. Je transporte des instruments de musique, 20 tonnes. Et c'est justement pourquoi que c'est une spéciale. Tout simplement. Peut-être le moteur, ça fera moins de bruit. Tout simplement pour faire un petit clin d'œil à mes amis de la musique, à mon ami Riku, qui m'a taquiné en me disant qu'il faudrait que je transporte des instruments de musique pour tous les membres de notre bloc musical qui est Fred Studio, comme c'est écrit dessus. Alors voilà, c'est un petit clin d'œil au bloc musique. C'est ma deuxième passion, c'est la musique. Ceux qui me suivent sur ma chaîne le savent. Enfin, ceux qui me suivent régulièrement le savent. J'alterne entre les jeux et la musique sur clavier. On va rentrer, ça fait moins de bruit. Et bien voilà. Je voulais juste faire ce petit clin d'œil à mes amis. Les prochaines livraisons seront la suite de ma carrière, suivie la suite de ma carrière normale. Alors, on va mettre le GPS parce que je ne sais pas trop où j'en suis et où je dois aller. On part de Paris, mais je ne sais même plus où je vais. Hein. C'est la meilleure. Non, c'est pas là. C'est là. Ah ben je rentre à Liège. C'est rouge avec ce mini celui-là. Excusez-moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous l'entendez, je suis encore un peu enrhumé. Un petit peu normal avec le bel été qu'on a en Belgique. Coup d'œil dans le rétro, ça passe. Faudrait pas abîmer la cargaison fragile. 20 tonnes de clavier, c'est pas rien. Si seulement ça pouvait être en vrai, ça ferait plaisir à certains sur le bloc de musique. Ici ne pas l'abîmer.
c'était le passage. Ici aussi, mais c'est pas, c'est rien. C'est tout bon. Je fais pas trop de vue extérieure parce que ça zigzague. Peut-être les phares, ça sert à rien. Juste les laisser les veilleuses. Alors tu vois mon ami Riku que c'est possible que je conduise une remorque à l'effigie d'FTS. Un peu de pub. Désolé pour les bruits du volant, je suppose qu'on l'entend, mais je ne sais pas faire autrement. L'île Bruxelles. Un Volvo tout simple, sans artifice, mais il va bien. J'en profite pour faire un coucou à tous les amis du blog FTS, si jamais ils passent par ici. Parce qu'évidemment, il y en a qui aiment les jeux, mais il y en a qui n'aiment pas, ce que je peux comprendre. Moi, c'est mes deux passions, donc j'allie les deux. Aujourd'hui, une spéciale vidéo spéciale, puisque j'allie vraiment les deux aujourd'hui. Sauf que j'ai oublié de mettre la musique dans la radio du camion.
qui fait qu'on n'aura pas de musique. Un petit péage. Comme d'habitude. Nous sommes en France. Reims-Metz, à droite, mais moi j'ai tout droit. Moi je vais vers Lille et Bruxelles. Pour ensuite bifurquer sur Liège. Pas trop besoin du clignotant, logiquement. Par habitude. Ça passe. Déporter un camionnette. Sérieusement là. Il n'y avait rien sur les gauches. Caler à droite, mais moi je n'y vais pas. Il y a trop de migrants de ce côté-là. Je voudrais pas me faire voler mon Tyros. Enfin, les tireuses. Ou les tireuses, comme disent certains. Comme je dis parfois moi-même aussi. Enfin, l'avantage, c'est que dans le jeu, on les voit pas, les migrants. On est tranquille. On peut passer tranquillement à Calais. Ce qui était le cas il y a encore quelques années. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui, en vrai, en réalité. En réel, les chauffeurs ont peur maintenant de passer par là parce que. S'ils sont pris avec des migrants dans la cargaison. C'est à eux qu'on en a. S'ils refusent d'en prendre en passant, certains sont agressés, on jette des cailloux sur leur. Enfin, des cailloux, des pavés. Sur leur pare-brise, sur leur camion. Tout ça grâce à l'ouverture des frontières. Il serait temps que le gouvernement. Aussi bien belge que français, se décide à bouger. La voiture reste derrière, s'il te plaît. Merci. Il a freiné, mais il n'a pas eu trop le choix. Parce que je passais quand même. Je suis sur la 2. Pour les gens qui voyagent, qui connaissent un peu. L'ancien passage de frontière Belgique-France, ou France-Belgique plutôt, dans ce cas-ci. C'est dommage, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. Que ce soit dans le jeu ou en réel, c'est pareil quoi. C'est ce qui est un peu dommage, on n'aurait jamais dû ouvrir les frontières. Déjà, c'est tous des emplois perdus, parce que les douaniers qui étaient là avant, c'était des emplois. Au lieu de ça, maintenant, bah,
C'est la douane volante, mais on la voit pas trop souvent. Ou là où elle ne doit pas être, quoi. Malheureusement. De temps en temps, il y a un scoop. Ils ont arrêté, ils ont confisqué des trucs. Avec les frontières avant, ça aurait été un peu plus difficile de passer leurs foutues ceintures explosives, leurs conneries. Tout de suite, on l'aurait détecté. Enfin, j'espère. Parce que, voilà. Il y en a des malins. Maintenant, il n'y a plus rien et on se plaint que ça va bien. Enfin, que ça va mal plutôt. C'était ironique, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Les échéances du prêt? Bah oui, ça, la banque. Elle n'attend pas que j'aille livrer mes instruments de musique pour se faire payer. C'est comme dans la vraie vie. Il est midi, pourquoi j'ai les phares allumés? Je sais pas. Mystère, un oubli. De kilomètres en travaux. Allez, hop, on lève le pied là. Toujours bien ralentir. Hein. Il y a des vies en danger là-dessus. Il y en a plein qui respectent pas en plus. Combien de fois dans les travaux je roule à 50 parce que c'est limité à 50? Et ça klaxonne derrière ou ça tente de dépasser. Ils se rendent pas compte qu'il y a des gens qui travaillent, qui risquent leur vie pour nous refaire des routes. Plus ou moins convenables, parce que voilà. Au prix où on paye les impôts, on devrait avoir de belles routes partout, mais c'est pas toujours le cas. Surtout en Belgique. Toute la circulation belge plus européenne, tous ceux qui traversent la Belgique, ceux de l'Est qui vont à l'Ouest, qui empruntent nos routes, qui payent pas. Ouf, j'ai été surpris par l'avion. Un petit coup d'œil sur la remorque en laissant de garder ma ligne. Petit clin d'œil pour mes amis de la musique. Très bien, c'est d'avoir Riku là à côté pour qu'on se fende un peu la poire. Liège et Cologne. Moi je vais à Liège donc je reste à droite. Ah bon, pourquoi il me dit d'aller tout droit? On va aller tout droit alors. C'est que je ne vais pas en ville. Je vais à la sortie de la ville peut-être. Ah non, je vais au zoning industriel, d'accord. Nope.
Ici, on va sortir à droite. Voilà. On va failli rater le virage. Ça, c'est qu'on va un peu vite. J'ai quand même 20 tonnes derrière qui poussent. J'espère que tout était bien rangé, en tout cas dans la remorque. Je plaisante bien sûr, je sais que ce n'est qu'un jeu, mais... Bon alors, tu passes ou tu passes pas? Regardez devant parce que... Hop là, si je me trompe... Ah bah toi t'attendras, je passe. Voilà. En vrai, j'ai qu'à tourner la tête, mais si. Hop là, on m'a foncé dans le derrière, ça c'est bien. J'espère qu'on m'a pas abîmé la remorque. Non, ça va, tout va bien. Je n'ai rien, j'ai pas de dégâts. J'ai rien vu, je suis reparti. Mais que fait la police? La police. Elle est pas très présente dans ce jeu. Voilà, il va vite cet autocar là. Alors où c'est qu'on va ici? Ouais. Allez, en tournant avant le camion. Petite marche arrière qui fait bien du bruit. On regarde à gauche maintenant. On redresse un petit coup d'œil derrière. Est-ce qu'on est bon? C'est la question. Et non, on est trop loin déjà. Allez, c'est parti. Ah, je crois un petit peu trop à gauche. Allez, c'est tout droit et on est bon. Allez, bouge plus, c'est bon. Et ben voilà. On va éteindre un peu le moteur, ça fera moins de bruit. Voilà, notre remorque FTS est arrivée à bon port. Et bien voilà, c'est là que je vous quitte les amis, je vous dis bye bye. À la prochaine, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur ce que j'ai pu dire. Les amis de la musique, si vous êtes passé par ici, merci d'être passé par ici. On se retrouve bien sûr sur le blog musique.
Alors, Riku, ben voilà, j'ai suivi ta demande de l'autre fois. Bien sûr, c'était une plaisanterie, mais tu vois que je prends tout au pied de la lettre. Tu m'as demandé de conduire une remorque aux couleurs du blog. Eh bien, c'est fait. Voilà, allez, salut les amis, à la prochaine. Bye bye, portez-vous bien. Et tout ça, ben, pour le plaisir du jeu.